Ok, d'accord. Alors, là on enlève, on va enlever ça. Et si tu veux venir voir, là c'est bien propolisé. Voilà. Coller gentiment. Alors on peut même passer si on veut. Ici on va pas le faire. On peut passer un fil ici si jamais la cire est collée. Tu vois? Tu passes à travers et tu décolles la cire en faisant ce mouvement. S'il n'y a pas besoin, on s'en sert pas. Donc là on va voir comment ça se présente. Ah, c'est bien collé hein. Voilà. On va faire un peu de bascule parce que ça me paraît bien lourd quand même. Il y a des fourmis qui sortent. Bon là il faudrait gratter, hein. On va l'enlever peut-être ça d'ailleurs. Oui. Donc ça c'est la partie haute. Ok, avec le petit trou, on va le poser là. On peut faire descendre un peu les abeilles avant de... Et on va remettre l'élément là qui contient des abeilles. Voilà. Donc demain on viendra récupérer le miel. C'est bien lourd. Après, je ne sais pas si c'est vraiment plein, on verra demain. Voilà. C'est fini. C'est parti. Donc on retire ici le demi-élément, on va le poser devant la ruche. Comme ça. Voilà. Là, je vais retirer ça, je vais le poser dessus. Tu retires la boîte complète? Ouais, elle va être assez lourde. Tu veux tout? Hop. Attends. Attends. Ouais. Tiens, deux. Voilà. Voilà. Vas-y. On pose ça là. Voilà. Bon, là, tu vois, il y a quelques abeilles. Donc ce qu'on va faire, on va souffler. Est-ce qu'on peut mettre le couvercle pour qu'elle... Donc là, on va voir s'il y a énormément d'abeilles, c'est que ben, il y a du couvain. Et s'il n'y a pas beaucoup d'abeilles, c'est que ben, c'est bon pour récolter. Tu peux lever, tu regardes. On peut déjà regarder si on veut. Ouais. Il y en a un peu, mais pas trop. C'est vide. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Donc là, t'as un souffleur. On va souffler dans les ruelles. Ah, il y a quand même du miel, on va voir. Ouais, tu peux prendre des rives, des côtés. Quoi. Non, mais... En tout cas, sur la partie haute, c'est sûr, elle a stocké du miel. En bas, là, peut-être qu'il y en a moins. Donc, on va voir au nombre d'abeilles. Hein. S'il y a énormément d'abeilles en bas, c'est qu'il y a du couvain. S'il n'y a pas beaucoup d'abeilles,
c'est que c'est surtout du miel. On n'aurait pas dit qu'il y a beaucoup d'abeilles. Hein. Non, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Non. Une vingtaine qui sont descendues. Tu vois, il n'y en a pas beaucoup, ça se voit. Donc on va peut-être juste prélever, on va souffler, on va regarder un peu déjà. Il faut souffler pour enlever les abeilles. C'est pas plein encore, hein. Il y a là, le miel il est juste là sur les bordures en fait. Donc côté vitre. Donc il y a... Je pense qu'on va juste prélever là, tu vois. De chaque côté. On va prélever, on va souffler un peu, on va prélever un peu un là, et puis après on va la remettre, je pense. Ouais. Voilà, parce qu'il n'y a pas assez de stock. Les rayons de riz, c'est ça. Je vais chercher là-bas la baguette. La baguette pour couper? Pour couper, ouais. Ouais. La baguette ou le fil? Quand c'est plein de miel, on part avec tout l'élément complet. Sauf que là, bon, on va juste prélever celui-là, celui-là. On va voir s'il y a un peu de miel derrière et sinon on va leur laisser tout le reste. Voilà, donc je commence avec ça. C'est bon? Oui, vas-y. Donc là, on va retirer déjà un premier petit rayon. Alors ici, donc ça c'est bon, hein, c'est entièrement operculé. Là on voit que c'est vide par contre. Ce côté là est operculé. Donc on va leur prendre celui-là. Et le prochain aussi je pense. Alors vous voyez, dans le problème, on peut pas retirer les baguettes parce qu'elles ont construit, en travers. Je pense que c'est bon. Attends, je refais un petit coup là. Donc ici, c'est du miel. Et là, c'est du miel. Une belle plaquette. Donc ça, on leur vole. Ensuite,